L'agriculture, il n'y a plus rien. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, qui c'est qui fait vivre les commerces? C'est ceux qui vivent sur le territoire. Oui. C'est pas ceux qui... Si l'accord est signé, à partir de mi-novembre, je pense que ça sera vraiment de la révolte. Nous, on avait marqué à Carbone, ici commence le pays de la résistance agricole. Là, je pense que ça va être la révolte agricole. Et ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'autres corps de métier qui viennent avec nous, parce que tout le monde en a marre. La crainte de l'accord du Mercosur, tout simplement, qui peut faire exploser la colère des agriculteurs français, parce qu'en une phrase, je vais te le résumer, c'est qu'on va autoriser aux Français ce qu'on nous autoriser à manger aux Français ce qu'on nous interdit de produire depuis plus de 20 ans en France. Voilà, du bœuf aux hormones, du maïs OGM, et du poulet industriel et tout ça, voilà. L'état d'esprit du moment, c'est tout l'impression que tout nous tombe dessus en même temps. Un fardeau qui était déjà bien chargé et qui continue de se charger encore plus. Pour le moment, la maladie, enfin, ces maladies, ces épizooties. Demain, les accords du Mercosur là, qui risquent de nous tomber dessus. C'est vraiment un gros questionnement de savoir qu'est-ce qu'on fera demain. Est-ce que la France veut encore de ses agriculteurs ?